passer à notre ordre du jour. On va laisser la parole au tout début à notre DPO, puisque c'est le premier point à l'ordre du jour. On tenait à vous faire un petit point d'avancement sur l'avancement du RGPD dans notre collectivité. Donc, Madame Avita, je vous donne la parole. Bonsoir à tous, je m'appelle Marie Lupin, je suis déléguée à la protection des données au sein de la mairie de Saint-Pathu depuis le mois de novembre 2018 et j'accompagne la mairie dans sa mise en conformité au règlement général sur la protection des données. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais je vous expliquerai un peu plus les détails de son règlement. Lors de ma prise de fonction, on a commencé par un point de départ, comme vous voyez là, sur l'araignée, où on était à 40% de conformité, puisque la mairie avait déjà entamé des démarches. C'est-à-dire que ce règlement-là, il n'est pas nouveau, ça fait 40 ans qu'il existe, et votre mairie fait partie des mairies que j'accompagne, et qui avait déjà entamé ces démarches. Depuis, on a mené pas mal d'actions, et je vais toutes vous les détailler. Certaines vont pour un peu plus en détail. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, surtout. Donc, le numéro de désignation, comme vous le voyez, j'ai été désignée le 21 novembre de l'année dernière. Depuis ma prise de fonction, on a procédé par étapes. Alors, quand je dis par étapes, on a commencé par la sensibilisation de l'ensemble des agents de la commune, tous confondus, sans se dire des agents administratifs plus que les autres. L'idée, c'était que tout le monde sache de quoi on parle. Tout le monde comprenne qu'est-ce que des données à caractère personnel. Et l'idée, c'était que tout le monde embarque dans ce navire de la conformité. Ce qu'on a atteint aujourd'hui, et j'en suis assez contente. La deuxième étape a été d'auditer tous les services. C'est-à-dire que j'ai passé un peu de temps avec chacun, à savoir exactement quel type de données ils traitaient, qu'est-ce qu'ils en faisaient, comment ils les stockaient, s'ils les transféraient, comment ils les transféraient. Et derrière, comment on pouvait améliorer cette démarche. Les autres points, je vais rentrer un peu plus dans le détail. On a cartographié les traitements, on a recensé tous les sous-traitants qui travaillent pour la mairie. On a procédé à une refonte de tous les formulaires. Je ne sais pas si vous êtes venu récemment faire des démarches administratives, mais vous avez pu voir qu'on a changé l'ensemble de nos formulaires. On a procédé au recensement de les outils logiciels qu'utilise la mairie pour s'assurer qu'aujourd'hui les droits étaient correctement partagés et nous permettre à court et moyen terme, quand quelqu'un quitte l'administration, qu'on puisse automatiquement couper tous ses droits. On a apporté des modifications au site internet, et je rentrerai un peu plus en détail, et on a mis en place une série de procédures. Ces procédures-là, on ne les a pas inventées, on a la CNIL qui nous donne la démarche à suivre. On nous donne 21 points de contrôle et on nous dit à chaque point de contrôle, vous devez rédiger une procédure. Parmi elles, et on verra un peu plus en détail plus tard, une charte informatique qui nous explique le cadre dans lequel chacun peut utiliser des outils informatiques de la mairie. On a mis des procédures pour la gestion des mots de passe, pour la gestion des ordinateurs, et la liste est très longue. La sensibilisation des agents, elle s'est faite principalement aujourd'hui en présentiel, c'est-à-dire qu'on a choisi des créneaux de 2 heures, où en moyenne c'était des assemblées de 20 personnes. L'idée, c'était que chacun sache qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel, qu'est-ce qu'il peut en faire, quelle est l'autorité de contrôle, comment on travaille avec les sous-traitants, et derrière, comment on sécurise toutes les informations qui nous sont confiées, avec un petit focus sur les sanctions que peut avoir une collectivité, une entreprise, puisque aujourd'hui, il faut savoir que la CNIL peut sanctionner. Alors, dans les collectivités locales, c'est un peu différent, mais il y avait d'autres obligations pour vous. On continuera le programme de sensibilisation tout au long de l'année prochaine. Ça pourra être en e-learning, c'est-à-dire qu'on envoie des programmes et les apprentis les suivent et moi je peux voir leur évolution. Et on continuera à faire des programmes un peu plus spécifiques qui, eux, seront plutôt sous la forme de contrôle inopiné par rapport aux procédures que j'ai mises en place pour voir si on atteint la conformité ou pas. Et si on ne l'a pas atteinte, à ce moment-là, on refera une sensibilisation spécifique aux personnes concernées. N'hésitez pas sur tout ça.
La deuxième étape, ça a été, comme je le disais tout à l'heure, auditer les services. Pourquoi on audite les services? L'objectif, c'est de savoir exactement chaque service, quel type de données il traite. Le RH traite des données, la comptabilité traite des données, le scolaire également. Et l'idée, à partir de cet audit, c'est de recenser ce qu'appelle la CNIL les traitements. Les traitements, c'est quoi? C'est je collecte une information. Cette information-là, je l'inscris dans mon support informatique, dans mon outil informatique, je la transmets peut-être à une administration extérieure, à un autre service. Ça, c'est tous les actes, c'est ce qu'on appelle un traitement sur une donnée à caractère personnel. Donc, on a identifié l'ensemble des traitements mis en place au sein de la mairie. Et le deuxième point important, c'était de découvrir surtout les process de chacun. On sait qu'aujourd'hui... Malheureusement, c'est partout, c'est pas que dans les collectivités locales, on est beaucoup moins sensible à fermer son bureau le soir en partant, à déchirer tous ses documents. L'idée, c'était de voir aujourd'hui si les pratiques étaient en place. Depuis, on a mis plein d'actions, et cette cartographie des traitements nous a permis de recenser 69 finalités. Quand je dis 69 finalités, ça veut dire 69 actions que mène la commune sur les traitements des données. On a, à partir de là, on a créé notre registre de traitement. C'est un registre de traitement qui fait 500 pages et qui sera vu régulièrement à chaque nouveau traitement. Et une fois par an, il sera révisé pour voir s'il y a eu des améliorations, des modifications ou s'il y a des traitements qu'on ne dit pas, tout simplement. Le deuxième point important, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités, vous travaillez souvent avec des organismes extérieurs. Ça peut être des sous-traitants, et là, ce qui m'importe le plus, moi, c'est les sous-traitants. Les sous-traitants, on en a beaucoup. On en a recensé quelques-uns, et l'objectif de ce recensement, c'était déjà de voir si les sous-traitants eux-mêmes étaient conformes. C'est une des obligations du délégué à la protection des données, de contrôler la conformité des sous-traitants. Le deuxième point, c'était de modifier les contrats avec ces sous-traitants pour leur expliquer qu'aujourd'hui, ils ont autant de responsabilités que nous. Jusqu'à présent, les sous-traitants des collectivités ou des entreprises n'étaient pas responsables en cas d'incident. On a fait en sorte qu'aujourd'hui, cette clause-là soit mise sur tous les contrats. Et à partir du 1er janvier, on va tâcher à ce que chaque sous-traitant qui a répondu à nos questions signe son contrat. Dans le cadre d'une non-signature de contrat, il va falloir qu'on voit d'autres procédures avec le sous-traitant, mais en tout cas, on continue à travailler avec eux, mais on va les emmener aussi vers la conformité. Refonte des formulaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la refonte des formulaires, jusqu'à présent, partout où vous allez, vous remplissez des formulaires. Souvent, vous ne savez pas pourquoi vous remplissez ces formulaires, ou quand vous le savez, mais en tout cas, vous donnez beaucoup d'informations. Et l'idée, c'était aujourd'hui de collecter que des données qui nous sont indispensables pour une inscription à l'école, pour le centre de voisins, pour ce qu'on veut. On a fait en sorte de respecter à la lettre toutes les obligations qu'on a et les préconisations de la CNIL. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la CNIL? Elle nous dit collecter le moins d'informations possible. Quand on collecte des informations, on doit indiquer le fait qu'elles soient obligatoires ou non obligatoires. À partir de là, on a remis des petites étoiles sur tous les formulaires et on a indiqué la mention que les informations étaient obligatoires. On a appliqué, c'est ce que je disais tout à l'heure, le principe de minimisation, mais on a surtout fait en sorte que tous les usagers qui remplissent un formulaire au centre de la mairie de Saint-Pathu sachent ce qu'on fait dans de leurs données et comment on les traite. Donc, vous êtes un peu curieux, allez sur les formulaires mis à disposition et vous verrez que tout en bas, il y a un pavé énorme qui leur indique ce qu'on fait des informations, mais qui leur permet surtout, et ça c'est une de nos obligations, d'exercer leurs droits. Alors quand on dit exercer leurs droits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel administré de la commune peut m'envoyer un mail pour me demander d'accéder aux informations concrètes le concernant. Sachant que quand il fera cette demande-là, elle me parviendra, j'ai un délai légal pour la traiter. Mais par contre, on ne pourra pas communiquer toutes les informations, puisqu'on est tenu par un code. Aujourd'hui, on a recensé 78 formulaires, et pour éviter qu'on revienne en arrière, on a mis en place une procédure de création de ces formulaires. C'est-à-dire que tout est centralisé auprès de la communication, il crée un formulaire, ce formulaire arrive chez moi, je regarde le formulaire, je m'assure que tout ce qu'il y a dessus est indispensable et
Et je ne m'assure pas, je ne me dis pas, nous, est-ce que c'est indispensable ou pas. J'ai un cadre légal qui me dit, dans le cadre de ce traitement-là, tu as le droit de récupérer telle information. À partir de là, on l'envoie en création, on le consigne dans un tableau, et à chaque fois qu'on le met à jour, on mettra un nom au tableau. Alors, recensement des logiciels et des outils. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, au sein de la collectivité, on utilise plusieurs logiciels, plateformes, outils. L'idée, c'était d'avoir une vision globale sur tous les outils utilisés. De savoir exactement qui est administrateur du logiciel, qui est un simple utilisateur, et de répartir les droits de chaque utilisateur de logiciel. Quand on répartit les droits, ça veut dire qu'on a pu constater, et ça a été vraiment mouni ici, que certaines personnes avaient des autorisations pour accéder aux données. L'idée, c'était de s'assurer que ces personnes-là étaient légitimes à accéder à ces données-là. Quand ce n'était pas le cas, on a enlevé les autorisations et on a laissé un simple droit de regard sur l'information. Aujourd'hui, on est à jour à ce niveau-là. Et l'idée à terme de ce tableau-là, c'est qu'à chaque fois, comme je le disais en introduction tout à l'heure, qu'un collaborateur partira, on sait exactement que nous pas tard, moi, j'ai accès à 13 logiciels. Dès que je pars, on va pouvoir aller supprimer systématiquement mes accès de chaque logiciel. Le site internet. Alors, le site internet, on a apporté quelques modifications pour répondre à nos obligations. Les obligations de base qu'on avait, c'était de mettre un bandeau cookies. Certainement, si ça vous arrive d'aller sur Internet, de plus en plus, vous voyez une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous dit vous devez valider, pouvoir continuer à travailler sur le site, ou naviguer sereinement. L'idée, hein, c'est qu'à chaque fois que vous cliquez sur ce bandeau-là, ça nous permet à nous de mettre des traceurs sur la navigation que vous avez. On a mis en place le bandeau cookies, et j'ai été plus royaliste que le roi sur ce bandeau-là. Parce que tout simplement, jusqu'au 1er juillet dernier, on avait une doctrine qui nous disait comment faire, et cette doctrine, elle a changé. Et donc l'idée, c'est qu'on s'est mis en conformité immédiatement avec cette nouvelle doctrine. Chaque utilisateur du site internet pourra accepter, refuser, et en savoir un petit peu plus sur ce qu'il a. Derrière, on est venu ajouter notre politique de protection des données, où on explique clairement toutes les données que collecte la mairie, ce qu'elle en fait, et la base légale pour laquelle, avec laquelle elle traite les documents. On a mis en plus mes coordonnées à moi, et là on s'est vraiment attardé sur le cadre, parce qu'il faut savoir que le site internet, c'est la vitrine de la mairie, et c'est la première chose que contrôle la CNIL quand ils enquêtent. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a rechangé les formulaires, c'est-à-dire que les anciens formulaires qui étaient sur le site ont disparu pour être remplacés par des nouveaux formulaires. Et ce site-là viendra à changer dans pas longtemps, parce que tout simplement c'est une vieille version. Il a 10 ans, soyons honnêtes. L'idée, c'est que ce site-là, il passe sur une nouvelle dynamique à partir du semestre, au deuxième semestre de l'année prochaine. Voilà. Les procédures, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a, à partir des pratiques qu'on a constatées, à partir des obligations qu'on a, à partir des préconisations de la CNIL et d'ANSSI et d'un autre organisme de sécurité informatique, on a mis en place un grand nombre de procédures. Dans ces procédures-là, à chaque fois, on indique exactement ce que doit faire un agent quand il accède au système d'information, quand il utilise un mot de passe, quand on doit transférer des données vers l'extérieur. Il y en a 27, aujourd'hui on ne les a pas toutes déployées, on en a déployé 5 si mes souvenirs sont bons, puisque l'objectif c'est pas de déployer pour dire on est juste conforme, moi mon objectif c'est qu'à chaque fois que je déploie une procédure, je la teste pour m'assurer qu'elle est comprise de tous, et j'en déploie une seconde. Aujourd'hui, j'en ai 24. J'avouerai que je suis un petit peu fan des procédures, donc il y en aura certainement un peu plus d'ici fin d'année prochaine. On s'est assuré surtout que ces procédures-là soient bien comprises par les collaborateurs, et à chaque fois qu'on en met une en place, je suis toujours à leur disposition pour aller plus loin dans la procédure et leur expliquer en cas d'incompréhension. Le programme 2020. Avec tout l'avancement qu'on a eu, vous verrez le dernier slide nous montre d'où on est parti et où on en est aujourd'hui.
Le programme 2020, maintenant, ça va être quoi? Ça va être préparer un dossier de contrôle CNIL, en cas de contrôle, ce qui peut arriver, mais ce qui n'arrive pas fréquemment. Quels sont tous les éléments qui vont prouver notre démarche de mise en conformité? On va pouvoir, à chaque étape, à chaque question, dire voilà tout où on est parti et voilà où on est aujourd'hui. Le deuxième point, ça va être de créer un référentiel des données traitées. Tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai dit qu'on avait fait une refonte de tous les formulaires. L'idée, c'est que maintenant, on va prendre chaque formulaire, on va recenser les données, et plus on avancera dans notre conformité, peut-être que l'année prochaine, on va se dire, bah, certaines données vont disparaître et d'autres données vont les remplacer. On va avoir ce qu'on appelle les études d'impact à mettre en place. Alors, pourquoi on fait les études d'impact? Certaines données concrètes, typiquement les données du scolaire, les PAI, ça va être certains dossiers du CCAS, on traite des données qui, au-delà d'être personnelles, c'est des données sensibles. Et ces données sensibles, en tant que délégué à la protection des données, je dois m'assurer régulièrement que ces données-là, elles sont sécurisées. Quel est l'impact demain si elles venaient à être volées, détruites? Qu'est-ce qui se passerait vis-à-vis de la personne concernée? Donc ça, on va le mener, on le mènera à partir de mars l'année prochaine et on verra le résultat. Aujourd'hui, je suis assez sereine parce que les données, on a tellement encadré le système que je n'ai pas de crainte. Je sais que l'impact va être résiduel, mais dans tous les cas, ce n'est pas moi qui tranche. Une fois que j'ai fini mon étude d'impact, je l'envoie à la CNIL et j'attends sa validation pour la mettre en place. On va continuer notre programme de contrôle des sous-traitants pour nous assurer qu'ils sont toujours en conformité ou qu'ils ont entamé leur démarche de conformité. On va continuer à diffuser, c'est ce que je disais tout à l'heure, nos procédures et éventuellement en rédiger d'autres. Continuer un programme de contrôle de nos clients. C'est ce que j'aime et ça nous permet surtout de voir que ce qu'on a mis en place en amont est respecté. Parce que l'idée, c'est pas de dire qu'on est conforme ou on est en train d'entamer notre conformité. L'idée, c'est de dire qu'on a mis en place des procédures, elles sont respectées et donc on avance bien dans notre conformité. Et comme je le disais en introduction, on continuera à mettre à jour notre registre de traitement pour voir est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué et comment on peut continuer à s'améliorer, puisque c'est tout l'intérêt d'un DBO, c'est en plus d'accompagner une collectivité locale dans sa mise en conformité, c'est de s'assurer que cette collectivité continue à évoluer. Le dernier, comme vous pouvez le dernier, comme je le disais tout à l'heure, si vous regardez un petit peu l'araignée de droite, on est parti au début, tout au début de mon premier slide, vous annoncez 42% de conformité. Aujourd'hui, on est à 66% de conformité. Il nous reste, comme vous voyez, en toute transparence, j'ai mis les actions qui nous restent à faire. Et comme j'expliquais tout à l'heure à Madame Vérez, si je devais m'arrêter au référentiel que m'a adressé la CNIL pour me dire la conformité d'une mairie, c'est ça, on est largement au-dessus des attentes de la CNIL. Mais on continuera, malgré tout, même si on sait qu'on a dépassé les attentes de la CNIL, on continuera à s'améliorer. Et l'idée, c'est que, on va dire fin premier semestre, on soit à zéro action menée, qu'on soit au vert partout. Alors, on n'atteindra jamais les 100% de conformité, il faut le savoir. En 2 ans, il va y avoir des programmes pour dire telle société ou telle collectivité s'est mise en conformité et maintenant on peut s'assurer qu'elle est conforme, mais ce n'est pas avant 2 ans. Personnellement, je n'écrirai jamais qu'on est conforme à 100%, mais par contre, je pourrais me dire qu'on est conforme à 96, 98%. Pour ma part, j'en ai fini. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cet exposé, brillant exposé. Vous nous avez confirmé que le site changera au deuxième semestre de l'année prochaine, c'est ça? C'est mon souhait personnel, mais vous le savez, je ne suis pas élue de la commune. Bien sûr, commune, je comprends bien. On a d'autres alternatives si on ne peut pas le faire évoluer d'ici avril, d'ici deuxième semestre. D'accord, très bien. J'avais une petite question d'ordre technique, puisqu'on avait posé la question et on nous avait dit que c'était à la demande du DPO. On l'a sous la main. On a remplacé apparemment un firewall dans le cadre de du RGPD. C'était pour quel objectif? Alors, moi, personnellement, quand je remplace des outils, c'est parce que tout simplement, déjà, j'utilise des outils 100% français. Je veille à ce que les firewalls, ils évoluent, techniquement. Donc, l'idée, celui-là, a évolué, nous a permis une certaine, un certain nombre d'avancées, et on l'a mis en place.
Maintenant, je vous avouerai qu'à l'instant T où vous parlez, je n'ai pas vu encore toutes les évolutions. Je suis demain en réunion avec la société qui gère l'informatique et ça fait partie de tous les détails qu'on va traiter ensemble. D'accord. Vous êtes en personnel interne à la commune ou vous êtes une société de prestation? D'accord, c'est ce que j'avais cru comprendre. Et vous nous avez dit vouloir dépasser les attentes de l'ACNIL, les recommandations de l'ACNIL. Quel est l'intérêt, selon vous, de dépasser ces attentes? Parce qu'aujourd'hui, le guide qu'a sorti l'ACNIL est destiné, à mon goût, et j'ai participé aux discussions, donc je peux en parler un peu plus librement, il est destiné à des petites communes qui vont jusqu'à 2500, 3000 habitants. Aujourd'hui, on est quasiment double. Et si je m'attarde vraiment sur les mesures de sécurité que l'ACNIL propose, pour moi, elles sont trop lates. Et j'estime qu'aujourd'hui, on a des données de contribuables, des administrés, et qu'on se doit d'aller plus loin que ça. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je tiens quand même à préciser qu'au mois de juin 2018, vous nous aviez dit qu'on était en conformité avec le RGPD, ce qui n'est pas du tout le cas. Vous n'avez jamais été dit ça, mais c'est pas grave. On regardera les comptes rendus, s'il vous plaît. Tout à fait. Bon, madame Habitat, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.